like it slow. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer en fait comment j'ai fait pour obtenir ma couleur turquoise. J'avais très envie en fait de faire une perruque, enfin faire ou acheter en fait cette perruque turquoise. Mais j'ai opté pour faire moi-même au lieu de l'acheter déjà tout prêt sur internet. C'était possible de le faire donc... pourquoi pas. Donc c'était franchement super facile à faire. Il fallait tout simplement en fait les acheter les couleurs, soit les mélanger. Vous pouvez aussi acheter les couleurs déjà tout prêt, mais bon, rapport qualité prix, pour moi c'était sympa de faire comme ça. Voilà, donc ce que je vais faire là en fait, c'est que je mets la vaseline sur les tulles, enfin partout, pour en fait ne pas avoir la coloration qui déborde en fait sur la tulle, donc que ça prenne aussi la couleur et que ça devient bleu. Donc du coup je mets la vaseline pour ne pas avoir ce problème. Donc voilà, là je vais donc appliquer la coloration bleue. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon, je vais intervenir un peu dans toute la vidéo pour vous expliquer certaines choses sûrement qu'il y aura besoin hein, d'expliquer tout simplement. Mais dans l'ensemble en fait c'était super simple de faire cette couleur. Je pensais pas, je me suis dit qu'au début ça allait être super compliqué. Mais finalement le mélange des deux couleurs, ça a été super simple à faire. Donc vous pouvez le faire chez vous tout simplement en achetant vos couleurs sur Amazon. Je vais vous mettre aussi un autre lien que vous pouvez prendre des colorations aussi. Voilà. Vous pouvez aussi faire cette coloration dans l'eau. Hein. Mais moi je voulais l'appliquer comme ça. Je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer comment faire la coloration directement dans l'eau. Mais comme je voulais mettre les deux couleurs et j'ai préféré faire ça. C'est pour ça qu'en fait je coiffe et que je ne mets pas le bleu partout. Parce que je voulais que ça ne prenne pas partout en fait. Pour pouvoir après appliquer ma couleur verte sur la perruque. Donc voilà, là ça y est j'ai fini. Donc je vais appliquer ma coloration bleu verte. Ouais, bleu. Non pas bleu, c'est vert. Partout en fait. Et je vais vraiment appliquer grossièrement avec mes mains sans le pinceau. Voilà, je voulais, parce que ce que je voulais c'est que ça fasse en fait des reflets, donc du coup je mets un peu de partout comme ça rapidement sans vraiment l'appliquer avec le pinceau. Donc voilà. Ici comme vous pouvez voir en fait la tulle elle est super claire. Donc ce que je vais faire pour que ça se marie un peu mieux, c'est que j'ai utilisé un vieux fond de teint que j'utilise pas. Donc je vais juste en fait colorer, enfin colorer, c'est même pas colorer. Ce que je vais faire c'est juste qu'en fait je vais appliquer mon fond de teint sur ma tulle et après je vais l'appliquer.